الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله نكمل الدرس une connaissance qui nous profitait avec Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nous venons arriver au chapitre djihad, après le classement, saisissent un grand ulama qui vous impose le djihad. En vérité, mon frère et ma soeur, djihad, c'est un loi dans dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et la loi dans dire Allah qui pourrait en vigueur jusqu'à Qiyama. Bina, aucun la loi après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'est pour abroger ou bien les connaît applicable. La loi Allah subhanahu wa ta'ala les pourrait en vigueur jusqu'à Qiyama. Mais pour chaque la loi, djihad aussi, il y a un règlement, une condition qui nous vient respecter. Si on n'a pas respecté sa bonne condition-là, de la même, au lieu qu'il djihad, les vénins sous le nez, pour un musulman, quand on respecte un règlement, fausse djihad, amen, qui était pour un musulman, amen, déshonneur. Amen, déshonneur. Et l'époque qui nous peut vivre, ça c'est un par un. Nous, l'époque, dans lui-même, il y a une preuve. Qui ce qu'appelle djihad dans din Allah subhanahu wa ta'ala nous n'a pas gagné droit engage nous là-dedans nous n'a pas gagné droit ouais, lance nous là-dedans poussé par certaines émotions ou bien l'ignorance ou bien vengeance le bizin engage nous dans djihad quand même. Nous pouvons ressentir qu'il nous permet la loi Allah subhanahu wa ta'ala en pratique. Nous pouvons exécuter la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Un dimon n'est pas qu'à dire ok, salat, il existe, rentre dans salat comme ça même. Nous avons une condition, il vise à respecter une condition concernant tahara, concernant faire face qibla, concernant couvrir aura. Il y en a. Sa salat là, les gouvernants sont balayés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si un djibou n'existe pas un salat comme ça, sa salat là, il n'y a aucun valet auprès d'Allah rabbou l'alamin, si il n'y a pas tahara, pas de faire face qibla, pas de couvrir aura. Alors, Azou dit, beaucoup de djihad est un peu dans sa façon là. Beaucoup de djihad est un peu dans sa façon là. Et résulte à sa fausse djihad là, il suffit pour dire que ça c'est fausse djihad. Résulte à sa fausse djihad là, il suffit pour dire que c'est fausse djihad. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala parmi nous mettre djihad dans l'islam pour quoi dire, nous occasionner le kafir, massacrer nous via piazon. Parce qu'on dit, c'est ça qui peut arriver. Djihad, après qui arrive, le kafir est content quand on crie djihad, qui vient. Il y a une occasion. Il y a une occasion pour venir vous donner des claques, pas kafir non. Crier, ouais, djihad, nous ne pouvons pas djihad, nous. Nous donnons une occasion pour venir, pour quoi dire, on crier, on fait ta part, on menacer, on déclarer, les vies de nous déclarer, on ne peut pas faire, non. Ça, c'est Halak musulman, je vous dis. Ça, c'est Halak musulman, je vous dis. Alors, l'intelligence, ce qui était, nous comportons, nous, comme une intelligence, ce qui était, c'est ne pas crier, ne pas faire ta part, ne pas crier, ne pas faire ta part, ce qui fait. Parce que nous, dans une situation, nous, dans une situation de faiblesse, et quand Dieu n'est pas perdu, pas voulu accepter ça, qu'il est faible, c'est un Dieu qui n'est pas pu accepter décret Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, parole, nous t'aimons, Allah, dernière parole qui nous citait. Allah Rabbul Alamin fait une très bonne djimoun faux physiquement et faible physiquement. Quand il y a un soufflet tombé, il y a un belle calibre.
Comme ça, même concernant l'intelligence, Ibn Taymiyyah rahmahullah, il a un crédit faux. Quand il a l'intelligence, il a des faibles. Nous devons accepter Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il nous décrétait, ce qu'il veut faire. C'est lui qui n'a pas voulu accepter qu'Allah fait un crédit faible, qui veut le plat plus faux. Il reste crié, oui, moi, Moses, va dire, mon mec, il a la fausse, le plat est belle, il est solide. Il reste crié, qui veut le plat plus faux, qui moi, qui veut le plat plus faux, non, mon café, mon café, beaucoup de choses, moi aussi. C'est qui s'en a qui comprend, il a une façon, un dimon qui, il n'a pas intelligent. C'est un dimon qui, il n'a pas intelligent, accepté. Allah Rabbi al-Alamin fait créer cet homme qui est faux. Et en vérité, mon frère, ça c'est un langue de mon kafir plus faux que nous. Côté technologie, côté zor, qui vise à prendre en considération. Jihad, c'est pas ceci. Jihad, c'est pas comment dire, nous allons dans tout nous. Jihad, c'est. Ou implante la loi Allah subhanahu wa ta'ala si nous arrivons au shahid, alhamdulillah. L'objectif jihad, c'est pas qu'on aller dans tout nous. L'objectif jihad, c'est nous sauver du monde depuis l'idolâtrie. Nous sauver, nous retirer du monde depuis l'obscurité, depuis l'ignorance. Si nous arrivons, alhamdulillah, nous passons à grâce à ce qu'il y là, nous allons être conseillés comme guide, comme shahid. Mais quand un dimon, il n'a pas pris compte ce qu'appelle un règlement djihad, une condition djihad. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs qui peuvent frapper sa oumata, qui peuvent venir même. Et mal, là aussi, il y a des gens qui n'ont pas encore ouvert. Là aussi, les gens n'ont pas encore ouvert. C'est quel est le problème qui peut traverser dans certains pays musulmans. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être clairs qui, ça c'est le problème, nous nous donnons bien dans les Maurice. Il y a des gens qui disent, oh, peine à la paix Maurice. Peine à la paix Maurice. Et dans ce luxe, confort de Maurice, nous pouvons faire rire quand nous pouvons considérer ce confort-là comme la paix. Il n'y a pas de trouver la paix. Elle vit un petit peu dans la Syrie. Elle vit un petit peu dans un pays, dans le Yémen, ou bien dans certains pays, côté de la guerre, côté de l'instabilité. Et là, on voit le côté qui appelle, est-ce qu'il nous dans un pays qui nous peut vivre là et dans la paix, ou bien non. Alhamdulillah, nous pouvons jouir à la paix. C'est un faveur Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un faveur Allah, Rabbul Alamin. Qui nous a fait concernant sa faveur Allah là? Nous avons fait ses efforts pour préserver. Nous avons fait ses efforts pour préserver. Alors quand on dit un côté, le côté des hommes, côté technologie, le kafir, des appuis faux qui nous, ça un quelque chose, deuxième, pour faire jihad, jihad c'est une façon de parler, nous ne pas faire aller nous musulmans avec nous la force physique, nous plutôt faire aller avec nous la force de iman. Ben, on a dit oui, finalement dans l'histoire, ben, le musulman tient un petit poignet, une victoire, le ben, kafir, ben, a un grand nom. Je dis, hein? Ça va le musulman qui fait une fière victoire là, je dis plus faux en termes de dit. Je dis iman. Mais quand nous pouvons, nous, aujourd'hui, combien de faiblesse iman est dans nous, je dis que des hommes nous déjà faibles, même là, pas causé. Là, nous faisons un bouffon avec drôle. Et ouais, drôle. Vite la guerre, la main, la main. On avance drôle pour vite la guerre dans la main, la main. C'est imbécile ça. Il y a des gens qui font la vérité de la guerre, il n'y a pas qu'à venir la guerre, mais la même. Ça, c'est un petit esprit qui cause dans la façon avec nous. Il y a des gens qui font ça. Accepter qu'il y ait dans ça, qu'il y ait dans ça. Il y a dans ça qui font ça. Alors, nous devons prendre ça en considération. Pas quand on va dire, nous finissons à faire quelque chose, quand il peut venir avec ce drone, nous dire, ouais, mais venir la main, la main. Ça, un petit esprit qui fait ça. C'est un musulman, son comportement, son réaction. Et côté hommes, ni faible, côté iman, ni faible, division en parmi nous. Alors, qui nous piatane? Qui nous piatane? À cause de ça, une simple parole, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, si nous prenons compte, ça, tu peux protéger nous contre beaucoup de malheurs qui, musulmans, finissent. Dans ce groupe là, mais je finis à mener ça vers eux. Djihad, il n'est pas incisé comme celui qui est le plus bon raté. Bizarre de l'ego, ça c'est là.
Ce n'est pas un cisé qui, celui qui vous plie, qui a givé. Comment on écoute le YouTube, ISIS peut dire, ah oui, toi en Amérique, toi en ça, toi en ça, nous en Allah, pour l'Alamin. Il n'y a pas qu'un. Sapez-vous, Allah en Amérique, il est résiste ce raisonnement. Ouais. Quand on veut la guerre en nous, en train en Amérique, en train à l'autre, en train à l'autre, en nous, Allah Rabbul Alamin. Tout le monde qui peut écouter la guise, Masha Allah. Zoli Sizé. Comme ça qui traite sa Sizé là. Comme ça qui traite sa Sizé là. Définitivement non. Alors, sa Sizé qui appelle Jihad là, c'est un sujet qui vient traiter pour un djimoun qui est en maturité. Un djimoun qui peut avoir une vision de l'islam. Je peux calquer les conséquences. Pas juste rentrer ça, pas juste le déclencher. Mais qui peut être après ça? Vous avez un compte, vous avez un compte. Vous avez un compte. Tout intelligent fait. Dans le business, un démon existe fait rentrer dans le business. Un démon, il peut calculer. Il a gagné, puis il a dit dans le business. Si vous payez, il a dit. Il dit non, nous musulmans, nous ne payons personne, nous rentrons dans le business. Vous rentrez. Sur l'argent, vous payez, il rentre. Il va rentrer. Il va monter. Il y a un homme qui a calculé un groupe de tension, il expose l'argent, après il a dit l'argent. Mais pas pour ça, le mal, toi. Tu peux l'avoir pour le Allah. Tu vas croire maintenant, tu crois d'un miracle. C'est le croire d'un miracle. Mais base, le miracle, pas le faire, le business, pas le faire, c'est imbécile, ça. Ça, c'est imbécile. Et ça, même dit, mon là, c'est correct. Pas besoin maintenant, il importe, expose tout l'argent, importe l'article. Après, Inch'Allah, miraculeusement, ben, dans ce cas, vous rendez. Vous acceptez? Non. Mais seulement, pour jouer avec 10 ans souffrir. Pour jouer avec 10 ans souffrir, se serrer. Nous, là, nous allons l'avant. Nous, musulmans, nous pas peur, nous rentrer. Après, nous allons arrêter, nous gardons l'espoir, là, pour vous avoir la peau. Ben, ange, pour descendre. Ange, qui descend, nous allons nous amener, nous allons imbécile. On se disait, les Sahaba, radiallahu anhum, ban qui comment dire, je mérite que je gagne ça, ça l'honneur à Allah depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, jihad, c'est un sujet, quoi, nous t'aimions, je veux dire, même pas ban alim, même pas ban alim, qui s'en a, on dire, ban alim, comment dire, je plie mûr, je plie la maturité, je plie, quoi dire, je ne plie approfondi dans connaissance, je plie concerné concernant l'Umma. Mais à ce moment-là, Mohamed Arifi, quand tu fais la révolution dans l'Égypte, bah, Arifi, il y a djihad déclenché. Arifi, il y a djihad déclenché. Qu'est-ce qu'il y a Arifi? Arifi, ni il y a un alim, ni il y a un djimoun qui commande la connaissance, ni il y a un djimoun qui l'ose sur mes droites. C'est un démon qui existe causé. C'est un démon qui existe causé. Alors, Arifi vient de dire un djihad. Qu'est-ce Arifi sur un djihad côté. Et les côtés. Lui, il a fait un da'wa dans l'Europe. Il a fait le tel dans l'Europe. Il va manger dans le tel dans l'Europe. Toi, il fait un djihad, toi. Il fait un djihad. Nous sommes en djihad. Il va faire un da'wa. Il va faire da'wa. Alors, il y a autant ça qui chose là. Je vous dis, musulmans, si nous tu prends compte de l'enseignement de l'islam, surtout concernant le djihad, nous tu retournes à un ulama, un grand ulama, pour l'eau d'Allah, nous tu vous protèges nous beaucoup, mais ban quitte allégorement, ban azan shaitan. Je ne suis pas content de ça qui chose là. Définitivement, je voulais mettre une barrière entre ça. Où maintenant avec un grand ulama, qui veut vous dire, ça va un grand ulama là, ça va qui va nous dire, ban ulama l'arabi, ça va un ulama, ban savant de l'État, ban ulama l'arabi, ça va qui, comment dire, la bouche fermée. Comment elle mettait le. Ce qui mettait le Facebook, ban pose qui mettait. Il y a quelqu'un qui a l'argent à ce démon, quand on peut donner l'argent, il ne peut pas sur la langue, on va soulier. Oui. Il dit, comme commentaire, il mettait, ban premier qui va dire, comment dire, pour aller passer la langue, on va soulier les rois, on va soulier l'Amérique, qui s'en a,
banon ulama. Et ça, ce dîner en bas là-haut, dîner en bas là-haut, est-ce qu'il est possible qu'il y ait dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bina ulama, par exemple, nous dit Aziz, Aziz, quand tu as dit, bina alim, bina alim. Alors, quand bina alim, qui nous dit? Tu ban alim là, qui dit? Ban vendeur. Tu ban alim là, qui dit? Ban agent. Tu ban alim là, c'est qui dit? Ban capon. Et comme ça, c'est dans l'alim, c'est ce qui n'a pas bon. Dans n'importe quelle chose, il y a bon, il n'y a pas bon, il y a bon, il n'y a pas bon. Tout quelque chose pour moi. C'est ça, l'alim qui dit, il y a ce qui n'a pas bon. C'est ça, l'alim, il y a ce qui n'a pas bon. Ok, tu fais l'alim, toi, il y a beaucoup d'alim vendus, on accepte. Mais il y a l'alim qui n'a pas vendu. Donc, demande un de l'exemple. Il n'y a pas encore de moi l'exemple qui fait, parce qu'il n'y a aucun alim qui. Qui d'accord avec lui, et côté lui, et finalement pour Aïsis, et ça va qu'il nous a conception là, tout Alim vendé, tout Alim carpon, il est tout seul sur Iman Fou, il est tout seul pour Madja Papier Amérique, il est tout seul pour Madja Carmanzos. Et quel côté dit, on m'a déjà dit à eux, quand tu as l'État islamique dans Mali, un YouTube avec un bout de nous vous conquérir jusqu'à la France. Mali, dans l'Afrique, ne pas sous-estimer sur l'Afrique, mais l'Afrique, en comparaison avec Eden, avec l'Europe, qui les y a? Les y a, nous pouvons conquérir la France, nous pouvons conquérir Mali, intimement encore, nous pouvons conquérir la France. Astaghfirullah, fait comme je dis, en tant qu'un kafir français, comment vous pouvez dire ça? Comment vous dites ça? Un Africain, il peut dire, vous voulez conquérir la France là. Et ça t'a fait la Paris, toi. Tu fais bouffon, toi. Tu as un petit bout de désir de nous conquérir. Tu voulez conquérir la France. Mais qui, comme un musulman, t'il l'esprit, dernier t'il l'esprit. Alors, mon frère, ça c'est un point de sujet qui il peut faire beaucoup vite. Là. Jihad. Maintenant, nous, on ne peut pas. Efface pas le Coran qui concerne le jihad, là, le Coran, efface ça, enlève ça. Est-ce qu'il nous a besoin d'effacer? Est-ce qu'il nous a besoin d'enlever? Non, ni nous a effacé, ni nous a enlevé. Ça veut dire, mais c'est vrai quand la police pas de Yali, l'Yamin arrêté posé. L'Yamin arrêté posé, mais nous ne pas nous dire enlever ou bien effacer. Qui nous dit, ça sujet là, il n'est pas nécessaire pour un rôle, ça. Il n'est pas nécessaire pour qu'on m'a dit, enflamme la masse, oh ça. Les pères ici, pour qu'on m'a dit, montrez-nous, pour m'a dit, nous sommes terribles, nous dépirons, nous parions dans les lots, les Maurice, nous voilà l'attaque l'Amérique, nous tout le monde dépirons, nous voilà l'attaque l'Amérique. Il y en a beaucoup de gens, on prend des autres imbéciles dans sa façon-là, et je veux dire, faire quelque chose qui, musulmans en retour, gagne beaucoup de problèmes dans le monde en entier. Occasion de kafir pour massacrer les musulmans. Kafir déjà pas content toi, quand tu me présentes, tu me donnes une occasion qui te peut pouler, tu me comportes toi comme terroriste, qui met ben la loi l'eau toi, avec plaisir, il met ben la loi l'eau toi, qui lui-même n'est pas si content toi, mais il n'est pas si content, ça va gagner la loi là, qui s'en peut occasionner, mais ça va gagner la loi là, toi-même toi, tu occasionnes, mais ça va gagner la loi là. Alors, il me t'aime à la mort là, dit. ففي وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم إجا بريف في ريشيرش dans sa bonne réalité ben dit concernant le jihad c'est travail ben savant particulier pas tout savant qui rentre là-dedans les ben savants qui plient faux et en vérité jihad c'est politique. Jihad, c'est quelque chose qui est purement politique. Et politique, nous ne sommes pas capables, comme je disais, un dimanche, il peut faire politique, il n'est pas contre par devant, il n'est pas contre par derrière, il n'est pas contre côté droit, côté gauche. Politique, c'est nous avons qu'aider, nous avons connu qui peut traverser dans ça le monde-là, qui conséquence, et qui, quand nous peut mesurer, là, capable de l'avant ou bien pas pour capable de l'avant. Tout ça, là, nous avons pris en compte. Pas n'importe qui dit nous visons rentrer pas comme ça n'est pas comme ça visons pas encore pas quelque chose comme ça alors nous tiens bien la parole à dire jihad c'est un savant
Puis, comment dire, donc parmi les savants, c'est un qui, comment dire, un peu plus spécial. Un savant qui est plus spécial. Alors, il y a des choses qui sont en politique. Nous ne sommes pas capables, comment dire, un pays, il n'est pas plus stable politiquement tant que peine un seul sous la loi. Tant que peine un seul sous la loi. Comment dire, d'un pays, il y a 10 000. Pour une instabilité. Pour une instabilité. D'un pays, il y a 10 000. Pour une instabilité. Pour la guerre. Mais concernant le djihad, il y a 100 fatwas. Qui est-ce? Pour une il y a des autres musulmans. C'est un musulman pas de bon. Djihad, c'est politique. Nous ne sommes pas capables, nous. Ça n'est pas un facteur, il n'est pas un facteur qui va être 10, 100 fatwas. Pas possible ça. Les mises en seul fatwa. Nous sommes assisés, calculés, nous réfléchir, nous prendre une décision. Ok, nous allons là. Ça. Comme ça qui fait ça. Nous ne sommes pas capables de dire. Quand nous donnons l'exemple, nous avons 10 amis, pas capables de 10 amis. Pour un problème. Pour un problème. Les mises en seul amis. Comme ça, un djihad. Vous êtes un seul fatwa, tout bien dans sa direction. Les là pour un progrès, les là pour un résultat. Sinon, ce qui nous trouve, ce qui nous peut trouver, ce qui nous trouve, et nous peut trouver encore, sans un jour, sans consulter un savant, une visite là-dedans. Après, puis il nous dit, ouais, un savant là, pas fait de coup de main, oui, un savant là, un lâche. Et tu consultes un savant avant d'être là-dedans. Si tu peux consulter ça avant, qui tu veux dire toi? Tu vas dire non, pas contre là-dedans. Pas faire ça, quelque chose là. Tu ne vas pas avoir la guerre celui qui est plus fort que toi, qui est le Coran, qui est le Hadith, logiquement. Pas faire ça, quelque chose là. Pas faire ça, quelque chose là. La guerre contre celui qui est plus fort que vous. Ouais, mais toi, tu sommes les rois, toi. Toi, tu sommes dans le palais, toi. Toi, tu es le capon, toi. Correct? Infini. Mal parle savant. Il rentre, il la guerre. Quand il gagne, il cogne. Qui lui dit, allez les révipiles là, le latin savant. Ouais, ben savant là, va pédé à l'anniversité. Ben savant là, va pédé clans djihad. Ben savant. Et dès comment musulman était aujourd'hui, et comment je t'ai dit, je te finis quoi, je crache la tête savant, finis mal pour le savant. Je te rentrais, quand je viens un cogné qui se fait, je te révipile la tête savant. Tout le temps, savant même en collé, en tout. Tout le temps, savant même qui est en tout, savant même qui n'a pas bon. C'est pas le plus grand vendier l'islam. C'est un man qui peut travailler comme agent pour l'Amérique, ça même ban. Et qui en vérité, ma frère, pour nous dire, oui, et un savant qui n'a pas l'eau. Et un savant pour que je travaille pour tout le et disons, un savant, Allah connaît, il y a agent. Il a accepté, disons. Mais il y a un système comme savant. Il y a un savant, il y a un savant, on va dire. Est-ce qu'il peut être un bon savant? Il y a un bon savant. Qui s'appelle le bon savant qui dit oui, il va laguer, pas de port devant, pas de port derrière, pas de conséquences, pas besoin de capacité, quoi dire, la force ou l'ennemi, rentre et t'avoir coulé à la latane pour un miracle. Qui s'en a ça? Il y a une personne qui dit oui, il y a une personne qui comprend de la façon là. C'est ce petit esprit, la tête saute, qui n'a pas calculé les conséquences. Ban qui, je veux dire, je te laisse l'émotion, domine je te l'intelligence. C'est ça. À ce jour, majorité musulmane, nous, dans sa façon-là, et ça amène sa qualité, ça va le problème. Et la parole, bien fait différence en djihad qui est sunna et djihad qui est bid'a. C'est simple, là. Il y a une question qui ça aussi est là, djihad bid'a. Ou bien, c'est le djihad. On va dire pour ceux, il y a un djihad, non? Il y a un djihad. Pareil comme Dikar, il a dit Dikar qui est sunna, mais il a dit Dikar qui est bid'a. Dikar qui est bid'a. Et un rassemblement de Dikr, un rassemblement de lecture Coran, ou bien il a dit ce qui est sunna. Dans Dua, il a dit ce qui est sunna. Dans Salat, il a dit ce qui est sunna. Et dans Salat, bid'a. Il a inventé un Salat. Mais Jihad aussi, il a dit la façon. Il a dit bon, non, Jihad, comment Jihad veut dire Corée. Il a dit qu'on pourrait dire tout ce man référence, tout ce man héros dans l'islam, tout ce man savant, c'est qui man? C'est man qui fait ta part et à ce moment-là, qu'on pourrait dire comment finit l'Amérique qui finit seul. C'est ce man héros. Par exemple, Anwar al-Awlaki. Anwar al-Awlaki, qui l'équipe biscuit, c'est une fille constellée comme qui était? Imam. Une constellée comme? Imam.
viens dire devant tout le monde, moi accepter à noir alors là, comme un imam devant le musulman. J'ai viens dire ça. Il va pour dire ça, c'était. Parce qu'il fait, hein? Parce que la police pas dire. Parce que la police pas dire. Alors, ça va du monde là. Comment je vais mal diriger sa homme, je vais mal quoi dire, guide sa homme là, je peux guider sa homme là vers un qui c'est pas un savant, c'est un qui insiste lève la tête, insiste crier, insiste comment dire, comment crier contre l'Amérique, j'ai pas vous. Vous ça va du monde là, juste vous lever, vous trappez un pavillon ou l'Amérique pour briller, ou un héros. Vous dites, il y a ban américain, c'est ban qui c'est ban l'ennemi de l'islam. Bon, écoute, il y a un héros de l'islam. Ça, c'est ban petit esprit qui compose dans sa façon-là. L'islam, ban mini, comme on dit, c'est pour dire l'ennemi, comme je ne sais pas dire. Allez, vi retourner, est-ce qu'il y a un certain moment nous pour une question, mais nous nous tous, combien là-dedans? Est-ce qu'il y a, comment dire, juste l'Amérique qui en tout, juste Israël qui en tout, juste Banem qui est en tout? Et en vérité, est-ce qu'il y a un certain moment nous venons attendre, Iblis, il fait un certain gibier envers nous? Est-ce qu'il nous venons attendre ça? Et Iblis, il peut faire des favier envers nous? Pour qu'il nous capable de dire, et pas facile à Iblis, hein? Aucun favier ne peut faire envers nous. Saint-Germain me dit la parole là. Pas facile à Iblis, là. Un favier aussi qui va faire envers nous. Parce qu'il a l'innocence. L'innocence qui veut, mais qui te dit qu'attendre qu'Iblis fait favier envers toi. Mais comme ça, il a dit, ouais, ça va nous juif là. Oui, ça va nous kafir là. Je peux faire, je peux faire. Parce qu'il a l'innocence, ça. Mais qui te dit qu'attendre qu'il vient du bien envers toi. Je peux attendre l'ennemi de l'islam vienne honorer l'islam, l'ennemi de l'islam vienne travailler pour bien-être l'islam, je peux attendre ça toi. Ça, toi, tu travailles ça. Pas maintenant, tu travailles. Maintenant, en tant que l'ennemi de l'islam, la façon dont je peux faire ce que je veux dire, toi qui tu veux défendre, dis Allah subhanahu wa ta'ala, basant la compréhension de man salaf rahimahullah. Alors, ça, c'est une chose qui. À ce dit, beaucoup de gens ne parlent pas ou les comprennent. Pareil comme je suis un exemple concernant un vide à l'islam. Celui qui commence à faire d'arabe avec kafir, correct? Nous sommes venus dire que tu connais, sa d'arabe qui te fait faire kafir là, il n'a pas d'arabe. Qui nous fait? Il nous saute, c'est pas qui au pied au dire. Ou pas, peut faire travail là, vous pouvez faire, dès que vous pouvez faire, vous pouvez trouver rire. C'est un raisonnement. Est-ce qu'il m'a raison pour dire qu'il y a rire ou bien non? Même si je dis pas mon faiblesse, mon manquement, moi, je ne peux pas faire ce travail avec Kafir vers l'islam. Mon faiblesse, mon manquement. Lili peut faire ce travail-là. Qui s'en a pour en aérer, dans moi ou bien lui? Qui s'en a pour en aérer dans ce travail-là? C'est lui, parce qu'il peut faire. Quand lui peut faire, vous avez montré qu'il soit aérer. Alors il ne peut pas accepter qu'il fait. Parce qu'il peut faire ce travail-là, toi tu ne peux pas faire, pas venir. Et ça, c'est un principe qui va nous regarder. Dans une époque, il nous mettait à devant, il tient ça comme conclusion depuis Ban Aziz, depuis Ban Khawari. Je mets ça comme une question pour partir le principe que je dis nous pas en besoin d'un alim. À ce moment-là, je dis Ban Khawari, je prends ça comme un principe nous pas besoin d'un alim, nous alim ni parmi nous-mêmes. Une façon de parler, on n'a pas pu connaître qui peut traverser le champ de bataille, on n'a pas pu connaître qui peut traverser dans le djihad. Qui va pas djihad vite de lui? Ben, on a l'Arabie, ben, on a si pas dans le palais, ben, on a les rois. Parce qu'on connaît qui peut dire djihad, qui va pas djihad vite de lui? Demande-nous, nous les pieds, on va dans la couche à djihad. Demande-nous, nous vous donnons pas toi. Je vis à Dina en bas là-haut. Je vis à Dina en bas là-haut. On va dire, pas une dire et n'aérer dans le djihad. Pas une dire et n'a bid'a dans le djihad. Pas une dire et djihad qui a même pris beaucoup de temps pour l'islam. C'est ça qui m'a dit, quand on m'a dit, djihad là, bid'a. Djihad là, pas bon. Djihad là, permet plus beaucoup de temps pour les musulmans. Djihad là, c'est pas comme ça qu'il fait djihad. Et bien, qui me fait, je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, vous tenez à rahma Allah, les dire. يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي بزاف كوني لكل جهاد إسلامي كالاكس رسول في نودوني
Et lesquels qui jihad bid'a, jihad ahli al-dalal, alladhina yujahiduna fi ta'ati shaytan. Jihad de ban égaré, jihad de ban bid'ati égaré, je peux combattre, je peux faire jihad dans l'obéissance, qui s'en a? Dans le chemin, shaytan. Wahum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'ati al-Rahman. Ça va, qui peut faire jihad, qui n'est pas islamique, ban qui peut faire jihad, qui n'a pas le sunnah. Quand il veut faire jihad bid'a, je peux croire qu'il se peut faire jihad dans, comme obéissance à Ar-Rahman, comme dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'en vérité je peux faire jihad dans le chemin sana, dans le chemin shaytan. Ibn Taymiyyah dit que jihad est le bid'a et l'ahwa. C'est comme l'exemple, tel comme jihad du bid'a, quand il peut suivre cette passion. Alors, il khawarij. Et tout va égarer encore. Je peux dire, je peux faire jihad. Jihad, c'est passé sous tes hommes. Jihad, c'est passé sous tes vestissants. Jihad, c'est passé sous tes ou crier ou l'objectif, c'est implémenter la loi Allah. Jihad, c'est pas où si tu crier, ça va le kafir là, c'est l'ami de l'islam. Pas c'est ça, jihad. Jihad, il y a tout ce bon règlement. Tout ce bon règlement, ce bon condition. Comment pour commencer, comment pas pour commencer, qui va adab, comment pour faire, comment n'a pas faire, tout ça là, il faut partir des jihad et la loi de l'islam, et la loi de l'islam. Qui ça là qui vous plie la connaissance concernant ça? Jahil ou bien savant? Ben savant, c'est eux qui vous plie la connaissance concernant ça, ça qui chose là. Alors, comprends bien qui da jihad à son jour. Il y a beaucoup de jihad, ce n'est pas jihad qui permet de vers Ar-Rahman, c'est jihad vers Shaitan, ce n'est pas jihad au Sunna, c'est jihad qui est au Bid'a, ce n'est pas un jihad qui permet, on va dire, le nez, bien-être pour les musulmans, c'est un jihad, la guerre qui permet de vivre beaucoup de déshonneur, de beaucoup d'humiliation pour les musulmans. Alors, une petite chose, quand ce résultat néfaste, ce résultat négatif, il est capable de quelque chose dans lien positif. Non. Résultat fini confirmé, négatif. Tout y est. Quand tu es musulman, tu es beau. Quand tu es musulman, tu perds la carte. Il n'est pas capable de causer contre la Syrie. Pas capable d'imaginer. Quand ça fait là, tu es de côté de mini à Zodi, tu fais, puis un levé. Manon Lama, qu'est-ce que tu peux dire? Pas levé. Manon Lama, qu'est-ce que tu peux dire? Non, pas levé. Qui appelle pas levé? Bizin levé. Get zoji, quand il arrive. Get zoji, quand il arrive. Escaler un adjimon, yanko, avec sa même mentalité. Non, bizin levé. Non, bizin levé. Et, on va dire, il peut se ce qui peut traverser le côté, ça, mais contre nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les protège. Et comme ça, même, on va le dire. ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الإمام فيه. يجيه celui qui peut trouver que sa combat là, en la guerre qui peut déclencher, c'est en la guerre qui se désavantage que puisqu'il se l'avantage. Alors, les bizarres finis connaissent ça, c'est pas jihad ça, c'est un combat qui était fitna. C'est un combat fitna. Et alors, il n'y a pas d'obéir à l'imam, non, il y a là-dedans. Si vous m'avez dit, vous pouvez vivre dans un pays musulman, un pays qui est un ami. Mais seulement, d'après les ulamas, c'est la guerre qui est un ami, bien vite nous vient ça. Là, les ulamas peuvent dire, ce désavantage, les plis qui sont l'avantage. Il n'y a pas même plus beaucoup de dito qui dit bien. Par l'ulama peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de dito qui dit bien. Amir peut dire noir vers jihad. Qui vient faire? Peine à quoi? Peine à quoi? Et qui fait? Malgré qu'il nous connaît, il est connu l'islam, il fait mettre grand emphase obéir à Amir. Surtout concernant jihad. Jihad, c'est les bonnes affaires qui concernent un individu. Ça. Jihad, c'est politique ça. Il concerne la politique, il concerne l'autorité. Pourtant, Amir, il vient obéir à lui. Pourtant, ça saute de quelque chose qui est dans ce domaine, quelque chose qui concerne lui. Mais quand je trouve, il n'a plus beaucoup de dos, il n'a plus beaucoup de désavantages. Il n'a pas qu'à avoir de ça qui soit. Il n'a pas gagné le droit ou un support dans ça quelque chose. Alors,
si nous pose question, ça va de la guerre qui dit nous venons rentrer là-dedans là. Est-ce qui avant rentre là-dedans, vient pose question, vient mesurer et n'a plus beaucoup dit tout ou bien qui dit bien ou bien vient s'y rentrer là-dedans. Il dit se rentre là-dedans. Quand nous dire ça aussi comment pour suivre un désobéissant qui nous suscite qui brille dans le temps dans le Tunisie. Ça appelle jihad. Ça appelle jihad, oui. Un démon est brillé, finit un soulèvement. Là-bas, mais nous soulèvons. Nous, si nous faisons soulever, nous faisons soulèvement contre nous. Et à ce moment-là, quand nous finissons arriver, campagne prend compte. Est-ce qu'il peut appeler beaucoup d'avantages ou bien beaucoup de désavantages? Puis beaucoup de dito, ou bien, on nous dit, ça va un démon qui va dire, ouais, t'as wakala, Allah, Allah, pour faire miracle. Ou business, tu fais comme ça, hein? Ou bien tu calcules l'article là pour vendre ou pas pour vendre. Attention, tu exposes l'argent pour le perdre l'argent. Calculer ou calculer? Calculer. Mais qu'on s'en jihad, pour rentrer, t'as wakala Allah, Allah, Allah pour faire miracle. Donc, mon frère, ça c'est une question simple, 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 comme nous trouvons à travers l'explication de Ban Olama. Le passé se rentre dans la guerre, surtout la guerre. Comment commencer la guerre de façon pour aller bien facile, pour arrêter la guerre facile. Commencer la guerre. Bien facile. Oh, il faut venir, me donner un clac. Comment c'est là? Ouais. Les lits de moi des clacs. Ouais. Moi, le guet, moi, des cas, moi, de mon vini, nous trappons une bâtie. Les lits vini, les bois cotés, les vini, nous coupent un sous la main, nous veillons souvent. Ouais. Ça m'a vini, les vini, nous coupent les couèmes. Nous cassons camarades, nous cassons. Mais il y a la guerre commencée facile. Arrête ça, la guerre. Et vous savez, Rahmanullah dit ça, qu'après quand fitna est éclaté, quand j'y fais fitna éclaté, pas facile pour toi. Quand j'y fais fitna éclaté, pas facile pour toi, c'est un peu comme je finis trop, ça c'est un j'y fais fitna qui peut éclater, pas laisse allumer, pas laisse éclater. Quand finit éclaté, mais définitivement, c'est difficile. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous, combattre l'esprit, Allah rabbul alamin, il protège nous. Combat qui n'a pas fait calcul conséquence de bonnes choses, combat qui n'a pas fait guetter, est-ce qu'il a fait beaucoup d'avantages, beaucoup des avantages, je dis que crier djihad, djihad, et je lui amène beaucoup de dos pour ça combat là, pour sa l'explication, Inch'Allah. C'est pour ça.